Bonjour frères et sœurs, accordez-moi quelques instants de votre précieux temps et je vais vous parler de la musique et du chant. Pas de la musique et du chant qu'il y a dans le monde, mais celui qui nous présente la parole de Dieu, c'est-à-dire le chant des cantiques. À l'époque du réveil, guitare, violon, contrebasse étaient sur nos estrades, comme le montre cette photo de 1958. Les chanteurs et chanteuses d'aujourd'hui, eh bien, leur orchestre, c'est le téléphone. Mes frères et sœurs, utilisez davantage nos musiciens. Retrouvons cette ardeur spirituelle d'autrefois. N'utilisons pas non plus des airs du monde avec des paroles de la Bible, pas de mélange. Nos cantiques ne doivent pas être chantés dans les boîtes de nuit à la mode. Aujourd'hui, musique et chant sont devenus un véritable business dans le monde, ce qui n'est certes pas le cas dans les assemblées du Seigneur. C'est pourquoi il convient de rappeler ici le véritable rôle du chant qu'ont nos cantiques. La Bible nous parle d'un certain Jubal qui fut l'inventeur des instruments de musique en Genèse 4:21. Ça, c'est à l'origine des premiers hommes cités dans l'Écriture sainte. De très nombreux instruments de musique sont cités, tels que la harpe, la flûte, la trompette, les cymbales, etc. Le roi David avait pour lui-même nommé dans l'Assemblée du Seigneur 288 chanteurs et 4000 musiciens. On se rend compte l'énormité de l'orchestre qu'il y avait pour accompagner les chants mélodieux qui étaient les psaumes en priorité. Les chorales sont également mentionnées, 1 Chroniques 15-16, et certaines étaient composées de 17 chanteurs et chanteuses, 14 garçons, 3 filles. Notons dans le Nouveau Testament celle des anges à la naissance du Christ, paix aux hommes de bonne volonté, etc. Notons également celle des apôtres la nuit de la trahison de Judas. Ce soir-là, les apôtres en compagnie de Jésus ont chanté le fameux Hallel, qui est les psaumes 113 à 118, et qui nous est rapporté par Matthieu 26, 30. C'est ce qui nous enseigne que les chants de David et de différents chanteurs avaient une place importante dans la louange. Notons maintenant, si vous le voulez bien, quelques dérèglements dans les chants, et nous allons découvrir un chant qui va favoriser l'orgueil et la haine, décrit en 1 Samuel 21, 11, où là, les mots de ce chant étaient « Saül a frappé de ses 1000 et David de ses 10 000. » La jalousie sera dans le cœur du roi d'Israël qui voudra tuer le jeune chanteur. Attention, chers frères et sœurs, que la jalousie ne nous fasse pas mépriser les autres chanteurs et chanteuses, surtout s'ils chantent mieux que nous. Nous allons voir maintenant que certains cantiques étaient désapprouvés de Dieu lui-même, et c'est là qu'on voit le dérèglement qui avait atteint bien des chanteurs et chanteuses à l'époque du prophète. Constatation d'ailleurs de ce fameux prophète appelé Amos, il dit dans son chapitre 5, verset 23, où Dieu parle en disant « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Et la même chose pour les musiciens, le Seigneur ajoute, les musiciens extravaguent au son du luth et ils se croient habiles comme David sur des instruments de musique. Amos, chapitre 5, verset 23. Amos, chapitre 6, verset 5. Tant qu'à Salomon, lui, il parle du chant des insensés dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 5. Voilà qui nous montre la pagaille de certains chanteurs et musiciens qu'il y avait à l'époque du fils de David. Par extravagance, on pourrait aussi dire déraisonnable, absurdité, divagation. Le prophète Amos parle également du bruit. Certaines versions traduisent par hurlement de tes cantiques. On peut comparer ici, si vous voulez, les concerts de rock d'aujourd'hui où les amplis sont à fond, et bien des gens ont du mal à supporter un tel vacarme. Le chant des cantiques est au contraire doux, apaisant, spirituel. Rappelez-vous ceci, à l'époque du prophète Élisée,
ne dit-il pas, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. En 1 Samuel 10, 5, on y découvre une troupe de prophètes qui prophétisent justement au son de la harpe. La même chose en 1 Chronique 25, des hommes prophétisés en s'accompagnant de harpe. Ajoutons, nos chants et notre musique, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas celui qui fera mieux. Une réunion, ce n'est pas un concours de chant, mais elle est faite pour faire amener les âmes à trouver Jésus-Christ leur sauveur. Ils sont donc faits nos cantiques pour préparer les gens à recevoir quelque chose de bien plus grand qu'un chant, la parole de Dieu. C'est pourquoi il convient de terminer en citant le psaume 137 où les païens demandaient aux juifs de leur chanter quelques-unes de leurs mélodies en s'accompagnant des harpes. Mais les juifs avaient accroché leurs harpes aux arbres et ils disaient « Comment chanterions-nous les louanges de Dieu sur une terre étrangère ?» Éphésiens, chapitre 5, l'apôtre saint Paul dit la même chose. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et le texte littéral, on peut ajouter, dit ceci, « Faites-le avec des instruments à cordes. Nous n'avons pas de harpe, mais nous avons nos guitares et nos violons. Alors, chrétiens, et surtout vous, chanteurs et chanteuses, utilisez davantage nos musiciens. »